Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au premier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom « Les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante ». Dans ce cours, vous découvrirez une introduction générale, les définitions de la communication, c'est quoi une communication efficace et les clés de la communication. Tout cela avec le Dr Ayman Abdelhadi. Membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Eyman. Dr. Eyman, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci, merci beaucoup. Donc, euh, bon après-midi, euh, chers collègues et chers étudiants. Je suis enchanté d'être présent euh, à cet atelier de formation euh, au sein de. Euh, Université euh, Mid-Ocean sur la communication efficace, les meilleures pratiques pour une communication efficace. Et euh, on va comprendre ensemble les clés d'une communication efficace. Et je remercie sincèrement ceux qui l'ont mis en place, et en particulier Mlle Malak Al-Sabbar. Et au cours de cet atelier de formation, euh, au cours de, de, de ces cours, de séminaires, je m'efforcerai d'aborder tous les aspects liés à un sujet important, car il est clair que la communication est devenue indispensable, car il est tout simplement impossible de ne, peu, de ne pas communiquer. On ne peut pas communiquer en fait. La réussite en communication dans tout le domaine du travail et dans divers domaines de la vie quotidienne est essentielle pour notre épanouissement et notre progression dans tous les aspects de notre vie. C'est bien sûr donc euh, comment savoir pratiquer euh, une communication efficace et devenu indispensable euh, dans, euh, le, dans, euh, dans, dans notre monde. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans, euh, au cours de, de ces, euh, cet atelier de recherche, donc dans euh, les prochains cours aussi On va ensemble comprendre, euh, euh, je vais présenter une introduction euh, générale. Euh, sur la communication et les, différents, les différentes définitions de la communication. On peut pas comprendre comment on peut pratiquer une communication efficace sans comprendre les différentes définitions citées et élaborées par les différents euh, chercheurs et auteurs euh, concernés. Donc, on va comprendre... On va savoir, on va euh, discuter les différentes définitions de la communication. Et puis, aussi, on va comprendre ensemble, euh, on va poser la question, c'est quoi en général, toujours, c'est quoi une communication efficace? On, et je vais aborder aussi euh, les clés de la communication en général. Et dans des autres cours, on va euh, donc, euh, dans un premier lieu, définition et importance de la communication et la communication efficace. Je vais évoquer les différents types de communication, verbale, non verbale, et les clés de la communication. Euh, et puis, on va aussi euh, aborder dans de, les prochains cours euh, un sujet euh, important lié à un autre sujet essentiel un autre sujet principal, les émotions et la communication, l'impact des émotions sur la communication et comment gérer euh, nos propres émotions pour communiquer de manière efficace. Et bien sûr, l'importance de la compréhension des émotions des autres. On va aborder la communication verbale, les différentes formes de communication verbale, soit parole, écrit, téléphone, euh, réunion, euh, et etc. Comment améliorer la clarté et la précision du message, les erreurs à éviter dans la communication verbale. Et puis aussi, on va étudier ensemble la communication non verbale, l'importance du langage corporel et facial. Comment interpréter les signaux non verbaux, comme les gestes, les postures, les regards. L'impact du ton et de l'intonation sur la communication. Et je vais expliquer aussi les tactiques et stratégies pour améliorer la communication, pour qu'elle soit efficace. Comment préparer un message efficace. Les techniques d'écoute actives et, active, et passives comment résoudre les conflits et les problèmes de communication. Et je vais essayer de donner des exemples aussi euh, concrets d'application des principes de la communication efficace. Donc, c'est le plan général de cet atelier de euh, formation. Et je vais commencer, comme je viens euh, de mentionner. Par. Je partage mon écran. Donc, la communication définition. Dans l'ouvrage de Jacques-Émile Bertrand, Psychologie de la communication, on trouve quelques définitions de la communication. J'aimerais présenter les différentes définitions de, ce, de cette notion de concept. La communication. La communication est la transmission de messages d'un endroit à un autre. La transmission de messages d'un endroit à un autre. Deuxième définition. La communication est la transmission d'une information. D'un émetteur vers un récepteur. Et on va ensemble, chaque fois, avec chaque définition, il y a des euh, variables, des différentes variables transmission, message, émetteur, récepteur, et puis, avec la troisième définition, la communication et le fait qu'une information soit transmise d'un point à un autre, et quand la communication se produit, nous disons que les parties composantes de cette transmission forment un système de communication. Donc il y a autre variable ici, c'est le système de communication. Partie composante d'une communication, de sa transmission de l'information, émetteur, récepteur, système de communication. Autre définition tout système de communication correspond au transfert d'un message matériel ou matérialisable entre un émetteur E et un récepteur R. Donc, il y a toujours l'émetteur, le récepteur de pôles, très important, l'émetteur et le récepteur. Donc, la communication s'établit entre ces deux pôles, l'émetteur et le récepteur, et comporte un message qui passe de l'émetteur au récepteur supporté par les médias. le message est incarné dans un langage, donc il existe un langage. même si euh, ce euh, langage, donc, n'est peut-être n'est pas seulement un langage écrit, mais langage visuel aussi. Donc, il peut être utilisé pourvu que son code soit connu. Et ici, variable code. Code, ça veut dire la compréhension, la compréhension entre les différentes parties concernées dans la communication, la compréhension de messages transmis selon un code commun La communication est un processus de circulation de la pensée. Donc un processus ça veut dire une opération. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est toujours un processus. De circulation de la pensée, de la pensée donc la communication est un processus de circulation de la pensée. Transmission de messages d'un endroit à un autre. Transmission d'une information d'un émetteur vers un récepteur. Un système de communication. Transfert d'un message matériel. Deux pôles toujours existent dans aucune communication, donc dans, tout, comme dans toute communication, émetteur et récepteur, et code à déchiffrer entre les pôles de la communication. Et la communication est un processus de circulation de la pensée. Autre définition, numéro 7, ici, la communication et l'ensemble de, des processus physiques et psychiques. Donc, il y a ce contexte physique et ce contexte psychologique aussi, psychique, par lesquels s'effectue l'opération de mise en relation de une ou plusieurs personnes émetteurs avec une ou plusieurs personnes récepteurs en vue d'atteindre certains objectifs. Donc ici, il y a un nouveau élément, c'est les résultats de la communication. Donc, on se communique pour atteindre quelques objets, quelques objectifs. Maintenant, par exemple, je donne un cours, un atelier de formation. Je suis l'émetteur et vous, les récepteurs. Et puis, pourquoi? Parce que j'essaye d'atteindre certains objectifs. L'objectif du cours, l'objectif de cet atelier, que les, les, les étudiants peuvent identifier les clés de la... Communication, les secrets de la communication efficace. Donc, c'est l'objectif, les objectifs de cet atelier. Donc, émetteur, récepteur, code à déchiffrer, système de communication, objectif à atteindre. Autre définition, il y a communication chaque fois qu'un organisme quelconque et un organisme vivant en particulier peut affecter un autre organisme en le modifiant ou en modifiant son action à partir de la transmission d'une information. Et non pas une action directe telle que celle qu'exerce une force physique mettant en jeu une énergie maintenant il y a l'objectif de faire passer quelque chose de convaincre donc, par exemple de convaincre les récepteurs de faire quelque chose de transmettre des informations pour changer pour modifier les comportements par exemple des récepteurs Le mot communication sera utilisé dans un sens très large, incluant tous les procédés par lesquels un esprit peut en influencer un autre. Donc ici, l'influence, cela bien sûr comprend non seulement le langage écrit ou parlé, mais aussi la musique, les arts plastiques, le théâtre, la danse et en fait tout comportement humain. Et ici, on voit comment le mot communication englobe toutes les activités humaines. Donc, ici, un sens très large du mot, un sens très large du mot. Pour qu'on puisse parler de communication. qu'on puisse parler de communication, il faut qu'un individu ait l'intention de mettre quelque chose en commun. Pour qu'on puisse parler de communication, il faut qu'un individu ait l'intention de mettre quelque chose en commun. Donc, il existe ici un échange. Échange entre les différents euh, pôles, les deux pôles d'une de, communication, le récepteur, euh, l'émetteur et le récepteur. Tel doit être le cas de l'émetteur, le mot communiquer, en, en effet, veut dire donner plutôt que recevoir. Il est synonyme de livrer de faire connaître. Autre définition. Un individu ne communique pas. Il prend part à une communication où il en devient un élément. Donc, un individu ne communique pas, mais il prend part à une communication. Il est un élément de cette communication. Il peut bouger, il peut faire du bruit, mais il ne communique pas. En d'autres termes... Il n'est pas l'auteur de la communication, il y participe. La, de, maintenant, c'est une euh, signification euh, autre euh, de, de, de la, de, des autres définitions que l'individu est en fait n'est pas l'auteur de la communication, il y participe. La communication en tant que système ne doit donc pas être conçue sur le modèle. Élémentaire de l'action et de la réaction, si complexe soit son énoncé en tant que système, on doit le saisir au niveau d'un échange. Donc, ici, cette définition montre la complexité de cette notion, la communication. Abraham Moles, lui aussi, dans son ouvrage L'image communication fonctionnelle, a défini euh, la communication. Si l'on accepte la, que la communication soit le transfert par des canaux naturels ou artificiels d'un fragment des aspects du monde situé en un lieu et à, et à une époque donnée vers un autre lieu et une autre époque pour y influencer l'être ou l'organisme récepteur dans le déroulement de ses comportements, alors il est légitime de dire que la fonction. De la communication et de transmettre ce qu'on appellera en termes généraux des images d'une partie du monde en une autre partie du monde. Donc, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on peut comprendre, pour comprendre c'est quoi une communication efficace, nous devons apprendre tous les éléments, les variables. Cité ici dans ces différentes définitions. Il y a l'émetteur, récepteur, code à déchiffrer, il y a des messages, il y a des canaux ou des canaux de, de, de communication et il y a des réactions et il y a des résultats à atteindre, des objectifs à atteindre. La communication est de transmettre des images de notre monde. Donc on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas communiquer comme euh, les conseils, euh, la phrase, la citation très connue de l'école Palo Alto. Donc, euh, on ne peut pas ne pas communiquer. Ici, ce sont des définitions très importantes qu'on peut euh, comprendre pour interpréter toute euh, signification de l'amour. De, de, ce, de cette notion euh, du mot de, de la communication, cette notion la communication. Donc, c'est clair. Il y a des questions ici. Si quelqu'un aimerait me poser euh, des questions, donc, euh, chers étudiants, je suis disponible. Donc, c'est la première partie de notre. C'est clair, merci, euh, Hannah. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, bien. soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ce jour, c'est euh, la euh, première partie de, de ce cours les définitions, différentes définitions de la communication citées dans l'ouvrage de Jean-Jacques-Émile Bertrand, Psychologie de la communication, qu'on va utiliser aussi. Des autres si j'ai paru dans cet ouvrage et voici la couverture de l'ouvrage. Ok. Donc je passe maintenant. Je vais partager l'écran de nouveau. Euh, docteur, tout va bien chez vous Oui, oui, oui. Deux secondes. Donc, euh, jusqu'à l'arrivée du partage d'écran, docteur, nous allons prendre juste euh, quelques questions. Si vous n'avez... oui, 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 Et bien ça sûr, ça ne vous dérange pas. Non, avec plaisir, bien sûr. Euh, prof, s'il vous plaît, est-ce qu'avec ce cours, on sera capable de communiquer devant un groupe de gens Ambad Oui, bien sûr. Seulement, euh, c'est un cours, mais aujourd'hui, c'est seulement un cours introductif pour euh, les différents cours. On va, on va comme je vais, je vais mentionner, euh, expliquer des pratiques, comment on peut euh, décoder, par exemple, les gestes des gens. Comment on peut savoir euh, ou décoder les, différents, les, les, les sens cachés dans des paroles, par exemple, dans la communication verbale. Euh, comment on peut, on peut gérer nos propres émotions pour communiquer de manière efficace. Et aussi, comment on peut comprendre les émotions des autres. C'est très important. Et euh, aussi, on va euh, maîtriser ensemble, Inch'Allah, les différentes formes de communication verbale euh, et non verbale, le langage corporel, euh, corporel et facial, et l'impact du ton, par exemple, et de l'intonation sur la communication, et comment préparer un message efficace pour un public euh, quelconque. Donc, et aussi, euh, je vais, Inch'Allah, euh, expliquer les différentes techniques d'écoute active et aussi passive. Comment on peut résoudre euh, les conflits euh, situationnels, des de, de, de situations Donc, dans un, par exemple, si je mène, euh, je mène une conférence et puis il y a euh, certains malentendus, comment on peut euh, résoudre les euh, malentendus dans... Euh, les, euh, par exemple euh, les différents euh, contextes communicationnels. C'est bon, mademoiselle Malak? Super, donc il euh, y a quelqu'un qui avait levé la main, pas de souci, nous allons le prendre à la fin du cours d'aujourd'hui, si cela ne vous dérange pas docteur, nous devons continuer notre euh, cours. Oui, 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 <laughs> oui, oui euh, bien sûr, ça ne me dérange pas. Bon, euh, l'écran est clair, donc? Est-ce que l écran, mon écran est clair chez vous, devant vous? On un d'écran avec merveille. Vous pouvez continuer. Oui, c'est très bien. Donc, c'est autre PDF, euh, autre présentation. Les éléments clés de la communication. Donc, c'est quoi la communication verbale? C'est quoi la communication non-verbale? Parce que c ce sont les deux genre de communication euh, dans tout processus communicationnel et les éléments clés de la communication. Donc, on va ensemble comprendre c'est quoi la communication verbale, c'est quoi la communication non verbale et les éléments clés de la communication. La communication verbale, ça veut dire avec les mots, bien sûr. Il n'y a pas de problème. La communication verbale fait référence à la communication qui utilise le langage pour exprimer des idées, pour exprimer des émotions. Les communicateurs, les émetteurs utilisent la parole pour exprimer. Ou communiquer ce qu'il souhaite dire ou communiquer, comme l'illustration montre ici s'il y a ce monsieur parle, il y a il utilise le langage, la parole. Donc, la communication verbale fait référence à l'utilisation des mots parlés pour transmettre un message l'utilisation des mots parlés pour transmettre un message. <coughs> La communication verbale est une forme de communication orale, qui comprend les éléments suivants Et je reviens sur la question de Mademoiselle Malak Dans tout, euh, au cours de, de, de cours de cet atelier, on va comprendre tous les éléments concernant ces facteurs, de la communication orale, le langage, la voix, les expressions faciales et le, le langage corporel. Le langage, ça veut dire les mots, la syntaxe et la grammaire utilisée pour formuler le message. Le langage, premier euh, élément de la communication orale qui comprend toujours chaque communication verbale, le langage les mots, la syntaxe et la grammaire utilisées pour formuler le message, la qualité du langage verbal a un impact important sur la compréhension. La voix, le ton, le volume, le débit et l'intonation de la voix peuvent influencer la signification et l'impact du message. Encore une fois, la voix, le temps, le volume, le débit, et l'intonation de la voix peuvent influencer la signification et l'impact du message. Si je transmets eh, un message en envoi, par exemple, ça, passe, ça, euh, ça se peut qu'il euh, qu y a une signification au delà de l'utilisation du volume et le temps même. Le ton calme, le ton tra tranquille, ce n'est pas comme par exemple quelqu'un qui est en colère. Donc la voix compte toujours. Le ton, le volume et l'intonation de la voix peuvent influencer la signification et l'impact du message. Et euh, au cours de cet atelier, je vais donner des exemples en ce qui concerne l'utilisation de ce facteur. Et bien sûr, les expressions faciales et le langage corporel, comme les gestes, les expressions du visage et la posture du loc locuteur, accompagnent souvent la communication verbale et en renforce le sens. Donc, les expressions faciales sont très importantes. Aussi, le langage corporel, à décoder les gestes, les expressions du visage et la posture des, euh, des, des différents pôles de la communication. Donc, la communication verbale joue un rôle essentiel dans de nombreux contextes tels que les conversations les présentations comme on fait maintenant, les négociations ou les discours. La communication verbale permet d'exprimer directement les idées, les émotions et les besoins. Cependant, il est possible qu'il y ait des malentendus si elle n'est pas accompagnée d'une bonne écoute et d'une compréhension mutuelle entre les personnes impliquées qu'on va voir ensemble avec des exemples concrets. Comment et quand il existe des malentendus dans la communication. Et aussi, euh, <coughs> j'aimerais mentionner, mademoiselle Malak, qu'on qu a, euh, il faut faire des, des, des tasks, à faire, des activités avec euh, mes étudiants, donc. Euh, euh, tout au long des de, de cours de cet atelier, par exemple, on va imiter des situations communicationnelles où ça se peut qu'il existe des malentendus et comment on peut gérer, comment on peut résoudre les malentendus. C'est possible, mademoiselle Malak, qu'on fait des activités, je pense. Bon, Mademoiselle Malak, tu, tu m'entends Est-ce que vous pouvez m'entendre Est-ce que ma voix est claire Quelqu'un peut me répondre Il y a des problèmes hein? Docteur, tout va bien chez vous? Oui, oui, je posais. Euh, euh, oui, oui, c'est bien chez moi. Seulement, euh, je vais euh, vous adresser la parole euh, dans quelques minutes. J'ai Ah, posé... oh, d'accord. Donc, vous voulez poser une question? Oui, oui. Non, moi, euh, je viens de mentionner est-ce qu'on peut faire des activités? J'ai posé cette question à toi. Donc, est-ce qu'on peut faire des activités donc, au cours de, de notre atelier? Ça veut dire, euh, euh, essayé, euh, je oui, vais oui, par exemple euh, que mes étudiants imitent des situations communicationnelles où il y a des malentendus. Comment on peut résoudre euh, ces conflits? Oui, oui, il a Oui, est-ce que parmi mes étudiants, il y a quelqu'un entre, euh, entre mes étudiants qui utilise son laptop et peut par exemple euh, faire. Euh, un schéma ou quelque chose comme ça et on, et on partage ensemble ce qui, ce qui fait ou euh, les, les étudiants par exemple euh, se connectent via portable, je ne sais pas. Euh, ce que vous voulez dire, docteur, si nous pouvons faire une communication pratique, n'est-ce pas? Oui, 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 par exemple, euh, oui, oui, euh, que les étudiants <coughs> parce que le, le, le sens de, de l'atelier de formation, qu'il que, qu y a un échange, euh, des échanges entre le professeur et les étudiants en, temps, euh, en ce qui concerne les sujets à aborder. Donc, si c'est possible, ça sera aujourd'hui, par exemple, il y a une activité. Je vais essayer de le faire avec mes étudiants euh, au fur et à mesure et en mesure euh, de euh, l'avancement Donc... de. OK, c'est bon. Je vais continuer. Merci, cher étudiant, qui m'avait répondu que la voix est claire. Donc, je vais continuer euh, ce qu'on fait. Je passe maintenant à la communication non verbale. Et comme vous voyez dans l'illustration, il y a ces doigts qui nous livrent, en fait, des messages. Et on comprend ces messages. C'est une communication non verbale. Il n'y a pas de mots. Il y a des doigts, des gestes faits par les doigts. Et on comprend en tant qu'être humain, c'est quoi ça je, 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 je me suis dit, comme euh, par exemple les différents contextes culturels. Et on va savoir dans, dans cet atelier comment la culture, comment les éléments contextuels culturels peuvent euh, produire des malentendus dans la communication. La communication non verbale fait référence à tous les éléments de la communication qui ne passent pas par les mots. La communication verbale fait référence à l'utilisation des mots parlés. De la, communication. la communication non verbale fait référence à tous les éléments de la communication qui ne passent pas par les mots. La principale forme de communication non verbale le langage corporel, le contact visuel, les paramètres vocaux, l'apparence physique, l'environnement. Donc, cinq formes de communication non verbale. le langage corporel expression du visage sourire froncement de sourcils geste mouvement des mains hochement de tête posture position du corps distance orientation tous ces éléments comptent dans la communication non verbale en ce qui concerne le langage corporel, le langage corporel, ça veut dire le langage de corps, corps, expression du visage, geste, posture, le contact visuel, maintien ou évitement du regard, durée et fréquence du contact visuel, maintien ou évitement du regard. posture, durée et fréquence du contact visuel. Les paramètres vocaux, temps, volume, inflexion, débit, rire, soupir, silence, paramètres vocaux. Les paramètres vocaux. L'apparence physique. Habillement, coiffure, maquillage, signes distinctifs comme tatouages et ainsi de suite, etc. Donc, l'apparence physique. Coiffure, maquillage, habillement, euh, euh, signes distinctifs comme les tatouages. Et bien sûr, l'environnement, disposition des lieux. Aménagement de l'espace, objet et symbole présent. L'environnement, toujours, est un élément essentiel dans la communication non verbale. Je reviens à ce qu'on a expliqué. Communication verbale. La communication verbale fait référence à la communication qui utilise le langage pour exprimer les idées, les émotions. Et les communicateurs utilisent la parole pour exprimer ou communiquer ce qu'ils souhaitent dire ou communiquer. La communication verbale fait référence à l'utilisation des mots parlés pour transmettre un message. Communication verbale, éléments, le langage, mots, syntaxe, grammaire, la voix, temps, volume, début et l'intonation de la voix. Bien sûr, les expressions faciales. Et le langage corporel, les gestes, les, les expressions du visage et la posture du euh, locuteur ou de l'émetteur accompagnent toujours la communication verbale et on renforce le sens. Et si ce n'est pas... Euh, des, ce sont des communications non verbales. Hein, faites, euh, faites, euh, faites attention. Ici, si on utilise les expressions faciales et le langage corporel comme communication non, non verbale qui renforce le sens de la communication verbale. C'est pour cela, toujours, quand on parle, on utilise nos mains hein, euh, avec hochement de tête euh, et des gestes qui renforcent le sens de la communication verbale. La communication verbale joue un rôle essentiel dans de nombreux contextes comme les conversations, les présentations, les négociations ou les discours. Elle permet toujours d'exprimer directement nos idées, nos émotions, nos besoins. La communication non verbale fait référence à tous les éléments de la communication qui ne passent pas par les mots, par contra contraste. Euh, en opposition avec la communication verbale qui fait référence à l'utilisation des mots parlés pour transmettre un message. Les principales formes de la communication non verbale sont cinq éléments langage corporel, expression du visage, geste, posture. On va comprendre avec des schémas, avec des illustrations explicatives. Euh, des schémas explic explicatifs, les différentes positions du corps et les différentes postures et la signification de chaque posture dans la communication. Ça, c'est très important et c'est très intéressant aussi. Le contact visuel, maintien ou évitement de regard, durée et fréquence du contact visuel, les paramètres vocaux, temps, volume, rire, soupir, silence, l'apparence physique, Habillement, coiffure, maquillage, signes distinctifs comme les tatouages, l'environnement, disposition des lieux, aménagement de l'espace, objets et symboles présents. Bon. Dans les interactions sociales, la communication non verbale joue un rôle essentiel en, trans en transmettant des informations sur les émotions, sur les attitudes et sur les intentions des individus. La communication non verbale peut consolider tout simplement, nuancer ou même contredire le message verbal. Et ça, c'est très très important à comprendre pour mener une communication efficace. N'oublions pas... Notre objectif de, ce, de cet atelier de formation, la communication efficace. Comment on peut mener une communication efficace. Donc, il est essentiel de bien comprendre la communication non verbale pour bien communiquer et interagir efficacement avec les autres. Dans les interactions sociales, la communication non verbale joue. Un rôle crucial en transmettant des informations sur les émotions, sur les attitudes et sur les intentions des individus. Elle peut consolider, néancer ou même contredire le message verbal. Il est essentiel de bien comprendre la communication non verbale pour bien communiquer et interagir efficacement avec les autres. Bon, on vient maintenant aux éléments clés de la communication. Chaque communication, il existe des éléments. L'émetteur, le message, le canal, le récepteur, le contexte, le feedback, le bruit. Bon, l'émetteur, tout simplement, j'aimerais vous entendre. J'aimerais vous entendre, cher étudiant. Est-ce que quelqu'un peut euh, m'aider à comprendre c'est quoi l'émetteur Oui. oui Allez-y. Euh, euh, pour ceux qui veulent la question de docteur Ayman, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Waouh, 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 nous avons beaucoup de personnes qui ont levé la main. Ah, C'est bien. Alors, on va voir. Ah. Ah, bah, pourquoi vous, vous êtes disparu On va prendre Hayat. Hayat, okay. la parole est à vous. Euh, bonjour à tous, merci beaucoup pour ce pour excellent cours, hein, monsieur. Euh, en fait, l'émetteur vient de mon émettre, donc c'est celui qui formule le message, c'est le propriétaire du message, donc c'est celui qui construit le message, si nous pouvons le simplifier comme ça. Tout à fait, merci beaucoup, cher étudiant Hayat. L'émetteur, c'est l'auteur, c'est le pôle essentiel qui livre un message pour les autres. Donc, tout simplement, comme Hayat a bien exprimé, l'émetteur, c'est la personne ou l'entité qui envoie le message. Tout simplement, il n'y a pas de euh, complexité de, 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 dans cette définition, il n'y a pas de problème. Bon, et le message, c'est quoi le message? Oui, cher étudiant, j'aimerais toujours entendre des participations. Oui, cher Moustapha. Pour ceux qui veulent répondre, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire sur le chat. Nous allons prendre maintenant Moustapha. Moustapha, oui. la parole est euh, Merci beaucoup. Euh, bon, bonsoir à tous et merci, messieurs, pour ce euh, euh, magnifique euh, travail que vous nous faites. En fait, le message, euh, c'est le sujet abordé par, oui. euh, par l'émetteur. C'est le sujet euh, qu'on parle, le sujet abordé, c'est le sujet qu que l'émetteur euh, euh, parle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tout à fait, tout à fait. C'est le sujet qu'on parle. Et ce sujet, ça peut être une information, ça peut être un ordre à, à, à faire. Ça peut être euh, une expri, euh, expression de sentiment, ça peut être une publicité, par exemple. C'est le sujet qu'on aborde, comme Mustapha, cher étudiant Mustapha, nous a expliqué. Le canal, c'est tout simplement le moyen par lequel le message est transmis. Par exemple, oral, comme je fais maintenant, écrit et visuel. Au cours de, de cette présentation, de cet atelier, on utilise la voix, ma voix, et la voix de Hayat, et la voix de Mustafa, et la voix de chers étudiants, et la voix de mes collègues comme canal. Et aussi, on utilise les schémas et, et l'écrit maintenant. On voit des, des on partage ensemble l'écran. Ça veut dire il y a multiple, il y a beaucoup de cana, il y a des canons en fait. C'est pour cela qu'on dit que on utilise le multimédia. Il y a la voix, il y a des illustrations et il y a l'écriture, n'est-ce pas C'est vrai. Donc le canal ou les canons ce Sont les moyens, le moyen ou les moyens par lequel ou lesquels, par lesquels le message est transmis, par exemple oral, écrit et visuel. Le message, tout simplement, c'est quand le sujet qu'on aborde ou qu'on parle. Le euh, le récepteur, c'est la personne ou l'entité qui reçoit le message. Le canal, okay. le contexte, maintenant, c'est l'environnement dans lequel la communication se déroule englobant les facteurs culturels et situationnels. Maintenant, par exemple, dans cette présentation, dans cet atelier de formation, le contexte, c'est un contexte académique. Nous ne sommes pas, par exemple, euh, dans, dans, dans une, par exemple, compagnie ou quelle organisation euh, commerciale. Non, c'est un contexte académique. Il y a un Monsieur et il y a chers étudiants et il y a des collègues qui participent dans un contexte académique. L'environnement ici, c'est un environnement académique dans lequel se déroule cette communication, cette présentation, cet atelier de formation, englobant les facteurs culturels et situationnels. Ça veut dire aussi nos objectifs de, de, de faire euh, une, euh, des échanges entre moi et vous, un partage de connaissances. Hein? C'est ça, les facteurs situationnels. le canal, le moyen par lequel le message est transmis, le contexte, l'environnement dans lequel la communication se déroule, englobant les facteurs culturels et situationnels. Et puis il y a le feedback. Le feedback, c'est tout simplement la réponse du récepteur à l'émetteur et utiliser pour vérifier la compréhension et ajuster le message si nécessaire. Le feedback, pas de communication sans feedback. J'essaye, moi, comme je viens de le faire quelques minutes, de faire participer mes chers étudiants avec moi parce que... J'essaye de, de, de savoir ce feedback, ce, ce partage. Ce n'est pas une communication linéaire dans un seul sens, non. Une communication dans deux sens. Il existe des différents pôles de communication émetteur et récepteur. Émetteur qui devient récepteur, comme par exemple, j'entends la réponse de Hayat et la réponse de Mustafa. Il y a une transformation de rôle. Moi, je deviens récepteur et Hayat et Mustafa, ce sont les, les émetteurs. Maintenant, je suis l'émetteur et vous, les récepteurs, et ainsi de suite. Donc, c'est très important l'élément de feedback, la réponse. La réponse des éléments de, constituant la communication ou les éléments pôles de chaque communication. L'émetteur et les récepteurs. Il nous reste un facteur très important, c'est le bruit. Le bruit. J'aimerais que quelqu'un nous informe de quoi ce bruit dans la communication. Et merci Ahmed euh, Nadouridine qui, qui nous a répondu euh, à la question c'est qui euh, l'émetteur. Euh, oui. Docteur, n'est-ce pas? Oui, Moussa, Pardon? Vous avez posé une autre question, nouvelle oui, vie, une nouvelle question, n'est-ce oui, pas? Oui, c'est quoi? C'est quoi le bruit? Dans la, la communication. dans euh, Moustapha, oui. Donc, euh, pour oh. ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Euh, nous allons prendre Moustapha. Moustapha, la parole est à vous. Et il est à oui. aussi. D'accord. Euh, pour moi, le bruit, euh, c'est le son. C'est tout, toute chose euh, cap, mh, capable de laisser un message entre nos oreilles, voilà, c'est toute chose mmh. que on peut, on peut on peut attendre. Donc c'est un oui, son. Oui, ou... oui, oui, cher Moustapha, c'est une ça peut euh, une ça peut, peut être ça tu, euh, une définition de bruit, euh, définition matérielle de bruit, si j'ose dire. Mais je prends Fahd, par exemple. Peut-être uh, Fahd nous, euh, nous, euh, nous informe Fahd Donc, passons à Fahd. Fahd, la parole est à vous. Salam alaykoum. Est-ce que vous pourrez m'entendre Oui, oui, bien sûr, Fahd. Avec clair, c'est clair. Alaykoum salam. Euh, D'accord. Pour moi, le bruit, c'est tout ce qui perturbe ou empêche une transmission euh, claire du message. Exactement, exactement. Tout ce qui empêche la compréhension d'un message dans une communication. Et euh, merci beaucoup Fahd et merci aussi Mustafa. Mustafa nous a donné euh, une définition de, de, de bruit, une définition matérielle de bruit, ce qu'on entend. Mais la définition, la signification de bruit dans une communication, c'est tout à fait la définition que nous a présentée, cher euh, Fahd. C'est tout élément qui peut empêcher la compréhension d'un message dans une communication. Tout simplement. Le bruit ici, si, avec cette illustration, dans la communication, le bruit est ce qui empêche un interlocuteur de saisir pleinement un message, de comprendre un message. Le bruit peut être à la fois externe et interne, et il peut causer des perturbations dans la communication à tout moment. Et on va, euh, dans euh, des prochains cours, expliquer les différents types de bruits que je peux maintenant évoquer euh, en général, généralement. Il y a ce qu'on appelle bruit physique. Il y a bruit physiologique. Il y a bruit psychologique, bruit sémantique et bruit culturel. Bruit physique, ce sont des interférences sonores externes comme le bruit de circulation, par exemple, ou euh, quelque chose qui empêche d'entendre correctement le message. Bruit physique, interférence sonore. Il y a bruit lié à l'état physique de l'individu, comme une maladie ou la fatigue, qui peut altérer la réception ou l'émission du message. Il y a aussi bruit psychologique, les pensées ou émotions internes qui peuvent distraire une personne et l'empêcher de se concentrer sur le message. Il y a aussi bruit sémantique. Ce sont les malentendus dus à des différences dans la compréhension des mots ou des phrases, souvent causées par des différences culturelles ou linguistiques. Il y a bruit culturel aussi, les différences dans les attentes culturelles, les attitudes ou les signaux non verbaux qui peuvent entraîner des malentendus. Donc, il existe six types de, 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 de de, de, de cinq types de, de bruit dans le sens que nous a expliqué c'est cet empêchement de comprendre le message dans toute communication bruit physique ce sont des interférences sonores externes comme le bruit de celui de la circulation par exemple bruit physiologique lié à l'état physique de l'individu comme une maladie ou la fatigue qui peut altérer, qui peut changer la réception ou l'émission du message. Il y a aussi bruit psychologique, les pensées ou émotions internes qui peuvent distraire une personne et l'empêcher de se concentrer sur le message. Il y a bruit sémantique lié au sens de la communication au sens des messages, les malentendus dus à des différences dans la compréhension des mots ou des phrases, souvent causés par des différences culturelles ou linguistiques, il y a bruit culturel comme les différences dans les attentes culturelles et les attitudes ou les signaux non verbaux qui peuvent entraîner des malentendus. En fait, j'aimerais qu'on fasse euh, une activité. Après cette présentation de, des éléments euh, de la communication, vous devez illustrer le processus de communication à l'aide d'un diagramme ou organigramme, ça veut dire pour, euh, flowchart, comme l'illustration. Montre ici. Comment pensez-vous que le processus de communication se déroule? Est-ce que, euh, seulement je pose la question, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut faire ce dia, euh, diagramme euh, sur laptop et, et faire un partage de, de son écran ou ça sera difficile Euh, pour ceux qui veulent répondre à la question, s'il vous, vous plaît, soit lever la main, soit écrire sur le chat. En fait, moi, moi j'aimerais qu'on que, qu qu fasse une activité. Mais, mais ça, sera, si, euh, ça sera difficile ici euh, dans, dans cet environnement virtuel. Euh, Peut-être, par exemple, c'est une activité euh, à remettre dans des autres cours. J'aimerais seulement. Savoir euh, comment on peut euh, traduire les éléments de la communication dans un diagramme euh, qui nous explique. Euh, euh, si vous voulez faire une activité maintenant, docteur, il n'y a aucun souci. Oui, 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 j'aimerais. Mais le, 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 j'attends que les étudiants euh, partagent euh, cette activité avec nous, c'est ça. Ils peuvent, par exemple, si, si vous pouvez utiliser euh, le chat, pourquoi pas. Donc, ceux qui veulent participer, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. OK, j'attends deux minutes, sinon euh, je vais continuer euh, la troisième partie de euh, ce euh, cours introductif. Personne ne veut participer Docteur va continuer Oui, oui euh, il y a quelqu'un. Euh, Azra Azra, la parole est à vous. Oui, euh, bonjour professeur. J'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 bonjour madame Malek. Bonjour tout le monde. Euh, Merci beaucoup Azra. Vous... J'espère que tu, tu vas aussi très bien. Oui, je vais très bien. Merci beaucoup pour cette formation. Pour la communication. En fait, je ne ah, sais bah. pas si j'ai bien compris la question. Est-ce que euh, pour le diagramme, vous aimeriez qu'on vous explique ce que montre le schéma ou qu'on explique. Euh, oui, oui et, et, non, euh, c'est que, que je veux, veux que vous euh, fassiez un diagramme incluant les oui. éléments de la communication euh, d'une d'une créati façon créative, si c'est possible. Ah. Ça veut dire par exemple, euh, en faisant un exemple par exemple concret, si c'est possible. c'est ça. parce que les schémas, les que... schémas canoniques de, 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 la communication, de la communication tout le monde, euh, la connaît, émetteur, récepteur, canal, message. Euh, mais on peut, par exemple, euh, traduire ce schéma dans un exemple concret. pas de souci. on peut. Euh, ajourner euh, cette activité dans une euh, dans des autres euh, dans des autres cours il n'y a pas de problème oui maintenant euh, je vois Hayat, émetteur message récepteur canal feedback oui exactement c'est c'est comme ça j'aimerais seulement euh, euh, faire seulement euh, un exemple concret mais au, au fur et aux mesure de, 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 de l'avancement de cet atelier, on va ensemble faire des schémas euh, canoniques euh, ou de nouveaux schémas concernant la définition de la communication. Très bien, et je passe maintenant euh, à la troisième partie euh, de euh, ce cours. Donne-moi euh, une minute pour faire euh, le partage de l'écran. Bon, ici, on va comprendre ensemble c'est quoi une communication efficace d'une manière générale. La communication efficace. Ce concept fascinant a été défini et étudié par de nombreux chercheurs et spécialistes en communication. La communication efficace, tout simplement, implique l'échange clair concis, pertinent et adapté à leur contexte d'information, de pensée et des besoins entre les parties concernées. La communication efficace implique l'échange clair, concis, pertinent et adapté à leur contexte d'information, de pensée et de besoins entre les parties concernées. Ça veut dire c'est un échange échange mais c'est pas Échange ambigu, c'est échange au confus, c'est échange clair, c'est concis et c'est pertinent et adapté à la, euh, euh, aux différents contextes de pensée et de besoins des parties concernées. La communication doit répondre à plusieurs critères pour être efficace. Clarté. La, la clarté des messages doit les rendre faciles à comprendre et à interpréter. Message clair. Nous avons besoin, pour mener une communication efficace, des messages clairs. Messages clair. Doit les rendre faciles à comprendre et à interpréter. Concision, il est important aussi que les messages soient courts et à la pointe des besoins. Concision, il est important que les messages soient courts et à la pointe des besoins. Critères pour qu'une communication doit euh, euh, être efficace. La communication doit répondre à plusieurs critères pour être efficace. La pertinence. La pertinence est cruciale pour que les messages soient pertinents pour le public cible. Ça veut dire que les messages doivent être pertinents pour le public cible. Adaptation, il est important de personnaliser les messages en fonction du public cible et du contexte. Il est important de personnaliser les messages en fonction du public cible et du contexte. Réception, la réception aussi, les messages doivent être reçus et compris par le public cible. Si je mène cette présentation et il n'y a pas personne qui m'entende ou il n'y a pas de participation, il n'existe pas, on ne peut pas dire que c'est une communication parce que il n'y a pas un public, il n'existe pas un public cible. Donc le message pour qu'une communication soit être, 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 pour être efficace, les messages communicationnels doivent être reçus tout d'abord, doivent être compris ensuite par le public cible. Interprétation il est important que le public cible comprenne correctement les messages. Il est important que le public cible comprenne correctement les messages. Et bien sûr, les résultats. Les messages doivent aboutir à un résultat attendu, attendu ou souhaité. Les messages doivent aboutir à un résultat attendu ou souhaité. Donc, la communication efficace. Ce concept fascinant a été défini et étudié par de nombreux chercheurs et spécialistes en communication. La communication efficace implique Échange clair, concis, pertinent et adapté au contexte d'information, de pensée ou de besoin entre les euh, parties concernées. Il y a des facteurs, des critères pour... Euh, la communication doit répondre à plusieurs critères pour être efficace. Clarté des messages. Concision. Il est important que les messages soient courts et à la pointe des besoins. La pertinence est cruciale. Dans, euh, dans la communication, la transmission des messages. Adaptation, il est important de personnaliser les messages en fonction du public cible et du contexte. Réception, les messages doivent être bien sûr reçus et compris par le public cible. Interprétation, il est important que le public cible comprenne compre correctement les messages. Et aussi, résultat, les messages doivent aboutir à un résultat attendu et ou souhaité. Et comme vous voyez dans cette illustration, il y a deux, deux personnes, émetteur récepteur, et il y a signe vrai, ça veut dire la communication est efficace. C'est une communication correcte. Afin d'atteindre ces critères, il est indispensable de prendre en considération les éléments suivants la langue et le temps utilisés, langue et temps utilisés, le contexte dans lequel la communication a lieu, les besoins et les attentes du public cible, la complexité et la quantité d'informations transmises, les canaux de communication utilisés, oral et écrit visuel. Donc, ce sont des critères à prendre en considération afin, euh, de, afin de mener euh, une communication efficace, la langue et le temps utilisés, le contexte dans lequel la communication a lieu. Les besoins et les attentes du public ciblent la complexité et la quantité d'informations transmises, les canaux de communication utilisés, oral, écrit, visuel. Donc, une communication efficace dont, comme on voit, euh, on voit ici dans le schéma, dans l'illustration c'est processus communicationnel, communication efficace. une communication efficace se caractérise par sa capacité à combiner clarté et concision, pertinence, adaptation, réception, interprétation et résultats pour atteindre un objectif ou répondre à un besoin spécifique. donc, encore une fois, une communication efficace se caractérise par sa capacité à combiner clarté, concision, pertinence, adaptation, réception, interprétation et résultats pour atteindre un objectif ou répondre à un besoin spécifique. Et, et ainsi, je conclue la troisième partie de, de, de ce cours introductif de notre atelier formation sur les meilleures pratiques pour une communication efficace. J'aimerais entendre s'il y a des questions à propos de troisième partie. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît. Oui, je trouve une question de Ambad nadur euh, vous avez parlé, prof, prof, vous avez parlé du complexité. Il s'agit d'une difficulté ou autre chose. Oui, bien sûr. Complexité de la communication, ça veut dire qu'il existe des malentendus en, dans la livraison dans, euh, de, de messages. Il y a des malentendus qui existent entre l'émetteur et le récepteur. Et les malentendus, il y a beaucoup d'éléments qui causent euh, ces malentendus. Par exemple, ce sont des éléments culturels. Quand tu, tu fais, quand j'ai voyagé, par exemple, pour la première fois euh, à l'extérieur de mon pays, il y a des différences culturelles dans la communication. Par exemple, dans certains pays, nous... Euh, Toujours, on utilise, par exemple, si on mène un coup euh, de téléphone, un appel téléphonique à euh, euh, nos amis ou quelque chose comme ça, normalement, on parle et on, on, euh, yani, on passe un peu de temps sans, sans terminer l'appel. Dans des autres pays, non, seulement il, il transmet son message et décroche et c'est fini moi euh, quand j'ai passé par cette situation j'ai pensé qu'il que, qu y a quelque chose je ne comprends pas pourquoi il décroche ainsi euh, vite pourquoi est-ce que c'est est normal et je trouve euh, c'est euh, il n'y a pas euh, seulement il, il te livre un message par exemple euh, le cours ça commence euh, dans tel il n'y a pas euh, il ne prend euh, beaucoup de temps de parler euh, entre, euh, avec moi, par exemple. Et je, je pense que euh, nous sommes dans la même culture. Il y a d'autres cultures, non. Les éléments culturels, ça pose des problèmes euh, communicationnels qui peuvent euh, empêcher euh, l'échange communication, euh, communicationnel entre l'émetteur et les récepteurs. OK? Donc, exactement. Euh, 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 mon cher étudiant Nadouruddin, oui, la complexité, ça veut dire la difficulté en menant la communication efficace. Je prends aussi euh, Mustafa. Euh, la parole est avec toi, Mustafa. Donc, euh, merci infiniment. Euh, super, docteur. Nous allons passer à Mustafa. Oui, Mustafa, la parole est à vous. Oh, merci. Euh, euh, ma première question est en dehors de ce cours. Euh, j'aimerais savoir euh, parce que Monsieur, vous avez parlé de culture. J'aimerais savoir est-ce que c'est possible de chercher une autre heure pour qu'on fasse cette panel euh, de discussion parce que j'aimerais assister mais ici je, 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 je me suis trouve je, je suis Comores. Euh, cette heure-ci, si je suis suivre votre cours, je, vais perdre, je, ne, je, ne veux, je ne peux pas faire la prière de Mahrib et la, la prière de l'isha parce que mmh. l'intervalle de 18h à 19h, euh, les salat passent dans cet intervalle. Donc, j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir... Euh, le cours une autre heure à 15h ou bien, ou bien à 20h parce que ça me dérange, moi, parce que je suis musulman. Je, 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 je demande pardon. Non, non, non je comprends très bien. Moi, moi aussi, je suis musulman, hein. mais peut-être ici euh, euh, si, euh, il y a des différences de temps. Euh, le Maghreb n'est pas, pas dans le temps maintenant chez moi. Donc, euh, mais euh, si c'est possible euh, pour résoudre cette, euh, euh, ce sujet, donc, Mustafa, on peut prendre dans le cours euh, une pause, pause de 5 de minutes euh, ou quelque chose comme ça, de 10 minutes, euh, avec la, euh, la collaboration de mademoiselle Malak. Je pense que si c'est possible pour que tu puisses faire, Inch'Allah, ton prière, il n'y a pas de problème. Euh, pour changer oui. l'horaire, je, je pense que ça sera un peu difficile pour, pour moi, mais j'essaye je, euh, en, euh, en même temps que tu, euh, de, je suis très... Euh, il est très important que tu, 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 que, que tu fasses ton prière, il n'y a pas de problème. Et, mademoiselle euh, Malak, est-ce que tu, tu peux nous partager... Le, euh, le souci de, de Mustapha? Ok, ok. Concernant euh, à 20h, il est un peu compliqué car il y a une autre formation à 21h. Et comme vous le savez, euh, la formation dure deux heures. Par contre, si euh, on peut donner des, des pauses de 5 ou 10 minutes dans les, pour faire vos prières, et vous revenez à la, euh, à la formation. Si c'est compliqué, nous pouvons arranger une autre date. Il n'y a pas de souci. Eh bien. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser ma question Oui, oui, bien sûr. Je t'entends. Euh, ma question euh, est celle-ci. Moi, quand je parle, j'ai tendance euh, que les gens me disent, euh, me disent tout le temps que je suis Comment on dirige. Euh, que je suis méchant parce que je suis, trop, je suis trop direct quand je vois quelque chose je parle et quand je vois si euh, ouais. tu m'as fait du mal ou euh, tu as fait quelque chose que je n'ai pas apprécié euh, là oui. je n'hésite pas je ne cherche pas de mots de politesse et je parle tout simplement donc euh, j'aimerais remédier ce problème, parce que beaucoup de gens oui. euh, accusent de, 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 de méchanceté. Euh... Très bien, Moustapha, c'est une, une bonne question. Chers Moustapha, de, de, tout au long de cet atelier de, de recherche, de formation, on va poser des différents euh, exemples concrets de la vie quotidienne en ce qui concerne euh, ce qu'on appelle les tactiques communicationnelles. Euh, il y a des stratégies communicationnelles, il y a des tactiques communicationnelles. Ce n'est pas tout à fait. Euh, quand tu parles d'une façon directe euh, pour exprimer un message, euh, les gens euh, peuvent te trouver euh, un peu. Euh, je, comme, comme tu viens de mentionner, euh, peut-être ça, ça dérange les gens. La, ta façon directe de dire les choses mais il y a des tactiques tu peux dire les choses avec des euh, moyens qui peuvent, euh, comment dire tu peux convaincre les autres à te bien écouter il n'y a pas de problème si par exemple tu dois oui tu dois utiliser des messages courts mais tu peux faire des tactiques communicationnelles pour livrer ton message sans perdre les gens, sans perdre l'attention des gens, sans perdre la, le, le respect des gens. Tu comprends? C'est pas, oui. pas ton. Oui, c'est on va, euh, Inch'Allah, faire un cours sur comment tu peux gérer, comment tu peux contrôler toi-même. En menant euh, une communication, c'est tout à fait légitime comme question. Il n'y a pas de problème. Okay, c'est qu'on appelle, qu appelle comment tu peux euh, améliorer la façon dont tu livres le message et comment tu peux éviter les erreurs dans une communication verbale et comment tu peux éviter des malentendus. Et l'importance du langage corporel et facial, parce que, par exemple, tu peux faire un geste de tes mains qui, euh, euh, qui passe les gens en colère. Tu peux, euh, par exemple, euh, interpréter des signaux d'une façon euh, fausse. L'impact du temps, ta voix, ton volume. Le volume de, 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 comment on dit, volume de voix. Comment tu peux utiliser des techniques d'écoute pour euh, tisser euh, une ambiance euh, positive dans la communication? Comment tu peux gérer tes propres émotions pour communiquer de, man de manière efficace? Tout ça va t'aider pour, euh, pour euh, résoudre tes problèmes communicationnels, si je peux dire. OK, Mustafa? Il n'y a pas, pas de souci à ce sujet. Okay. OK, monsieur, merci beaucoup. Mais je t'en prie. En attendant, euh, s'il y a des autres euh, questions. Euh... Super. Questions, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Et, allons voir, allons voir d'autres questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Tout est clair? Il n'y a pas de questions. Donc, euh, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du premier cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose euh... Non, en fait, merci euh, de, de, de m'avoir participé, chers étudiant. Je pense que ce cours est très important, comme je euh, cet atelier de recherche est, est très important parce que en fait, euh, nous vivons maintenant dans un monde communicationnel. Si on ne peut pas communiquer d'une façon efficace, on va perdre euh, notre terrain dans notre progrès, euh, progress, euh, dans euh, notre progression. Dans, dans différents aspects de notre vie je répète je m'efforcerai dans cet atelier de recherche de, de formation d'aborder les différents aspects liés à ce sujet important et captivant et fascinant la communication efficace car il est clair que la communication est devenue la communication efficace est devenue indispensable car tout simplement il est tout simplement impossible de ne pas communiquer et la réussite en communication dans tout le domaine du travail et dans divers domaines de la vie quotidienne, la vie académique est essentielle pour notre euh, progression dans les différents aspects de notre vie. Et donc, je remercie sincèrement l'Université euh, euh, Mid-Ocean d'organiser de, 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 ce... Type, euh, ce genre d'atelier qui va euh, nous aider euh, en tant que professeur et en même temps euh, et vous aider comme euh, étudiant parce que, en fait, l'atelier de formation c'est un genre de, de, de communication échange communicationnel entre euh, moi et vous, euh, chers étudiants. Et euh, je remercie sincèrement euh, tous mes collègues. Euh, mademoiselle Malak à euh, l'organisation de cet atelier. Et donc, euh, je vous attends, euh, Inch'Allah, euh, dans, euh, dans la prochaine cour. Et euh, dans la prochaine cour, Inch'Allah, on peut euh, gérer euh, la question de, de temps. Euh, on peut prendre une pause de 5 à 10 minutes pour qu'on puisse euh, faire euh, nos prières ou euh, autre chose. Euh, comme, euh, comme dans pose euh, euh, au sein de, de, du cours. OK? Super, avant de terminer, prenons, euh, nous allons entendre, entendre euh, ce qu'a Azra comme question. Azra, la parole est à Azra? vous. Oui, Azra. Merci euh, beaucoup, cher professeur, encore une fois. Merci beaucoup, Madame Malak. Je suis ravie, Azra. J'ai soit une question, on peut dire une suggestion, parce que puisqu'on a parlé de la communication et particulièrement de la communication efficace, j'aimerais bien savoir si c'est possible, euh, professeur euh, Ayman, de, oui. euh, de, de vous voir quand vous parlez. Je pense que, par, par exemple, là tout à l'heure, on a parlé. Euh, de rôle de l'environnement, que l'environnement dans la communication environnementale joue un rôle très important. Et j'aimerais savoir, j'aimerais bien voir euh, vous voir parler, je pense. Oui, je oui pense bien sûr, pas de souci. Oui, oui, pas de souci. Bien Azra, pouvoir, qu je, sortir, un... Parce que je pense que c'est très complexe aussi de parler comme ça en, en caméra, mais je pense que c'est un exercice qui peut être très intéressant de voir la personne voir l'émetteur, la personne qui transmet le message. Je pense que ça peut être aussi... Oui, oui c'est un, un, un élément très important, Azra. Euh, je vais euh, penser à ce sujet. Euh, en fait, normalement, euh, tout, par, la plupart d'entre de, vous n'utilisent pas les caméras aussi. Euh, ce n'est pas seulement les professeurs, j'ai remarqué ça. Mais euh, normalement, c'est important comme... Euh, comme élément communicationnel, euh, notamment s'il y a des gestes. Euh, mais normalement, il n'y a pas... Euh, J'utilise pas beaucoup de gestes maintenant. <laughs> pour que, euh, mais mais euh, tout à fait raison, tu, tu as tout à fait raison. Euh, je vais discuter ça aussi avec mademoiselle Malak Inchallah. On va, euh, oh. si par exemple, tout... Euh, parce que ma condition que euh, si j'ouvre la caméra, donc tout le monde... Euh, c'est obligatoire quand qu euh, utilise tout le monde euh, caméra vidéo. Sinon, je ne peux pas utiliser seul de, 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 de de mon seul part. C'est ça. C'est bien compris. Oui oui c'est très bien. Merci beaucoup. Oui, et, me, et merci aussi pour euh, pour cette proposition. Merci à vous. À la prochaine okay. séance. À la prochaine Azra Donc, est-ce que je pense que monsieur Malak que, que c'est bon? Il y a d'autres questions? Donc, euh, y a-t-il d'autres questions avant de terminer le cours? Aujourd'hui? Oui. Hayat? Je euh... euh, pense que nous avons répondu. Ah, euh, merci pour ce cours intéressant. Alors, merci également. Ok, je pense que nous avons répondu à la plupart merci des beaucoup, questions. Merci beaucoup, Hayat, euh, à, à ta participation aussi euh, active euh, dans, au cours de ce, cet atelier, donc, donc au cours de ce cours. Merci, mademoiselle Malak, donc, et à la prochaine. Merci, Rachid euh, Mandour aussi. Et merci tout le monde, chers étudiants. J'espère, inshallah, que euh, je vous rencontre à la prochaine euh, cours. Sen et sauf. Bon. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci, Merci, Merci aux participants à... pour avoir participé au premier cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Euh, nous vous verrons une chance la semaine prochaine à 18h selon l'heure locale de l'Arabie saoudite. Et ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons de 5 jusqu'à 10 minutes de repos pour euh, faire vos prières à 18h30. Je pense que cette décision a été prise et elle est, elle est bonne pour vous, pour ne pas rater les prières, car nous sommes également des musulmans et on comprend cela. Merci, merci beaucoup. Euh, merci. Hum? Euh, je te remercie beaucoup, euh, mademoiselle Mala. <laughs> merci. Bienvenue, à vous, docteur. Euh, donc, vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons la semaine prochaine à 18h selon l'heure locale de la Bismute Saoudite ou encore euh, demain. Avec le panel de discussion de la préparation à l'examen du DELF-DALF. Pour ceux qui, sont, qui se sont inscrits à la formation, veuillez, s'il vous plaît, bien réviser votre cours pour pouvoir assister au panel de discussion ou encore nos deux formations performance, performance de la gestion stratégique ou encore Peintons pour Machine Learning, où vous avez également l'apprentissage de langue anglaise, euh, les outils d'analyse du marché, marketing digital, apprenez à programmer en Java, et également euh, le cours déplacé de comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access à 21h selon l'heure locale de l'Arabie saoudite. Et vous avez également euh, le cours, la formation de Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux ou encore euh, découvrir les, euh, euh, les librairies printemps pour data science. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Merci bien. beaucoup. Au revoir.